Good morgen, allez, Iden, tu seras aujourd'hui le Nishmat Avraham, Mordechai Ben Yitzhak Vefani. Si vous souhaitez vous aussi une prochaine étude de Mishnah, conjugué de 5 minutes éternelles, nous étudions la Sechet Moed Katan, Perigimel, Mishnah Dalet. En Kodvin Shtare Chov Bemoed, Vimeno Maamino, O She'en Lo Mayochal, Areze Ichtov. En Kodvin Sfarim, Filinum Zuzot, Bemoed, Ben Magihin Otachat, אפילו בספר עזרא או בספר עזרא. רבי יהודה אומר, כותב אדם תפילין ומזוזות לעצמו, וטובה על ירחו, תחלת לציצית. On continue à voir les travaux interdits pendant Khala Moed, avec à présent les shtar chov, les reconnaissances de dette. Ça, cette fois-ci, on avait appris à la mission présidente, toutes sortes de choses qu'on a le droit d'écrire pendant Khala Moed, parce qu'il y a des risques de perte. Cette fois-ci, une reconnaissance de dette, on n'est pas obligé d'écrire pendant Khala Moed. Comme le Mishnah dit, En Kodvin Shtare Chov Bemoed, on n'écrira pas des shtar, des contrats de reconnaissance de dette, de créance, pendant Khola Moed, sauf, Veimeno Mamino, et s'il ne le croit pas, il ne lui fait pas confiance, O She'en Lo Mayochal, ou encore que le scribe n'a pas d'argent pour manger, alors, Areze Irtov, on aura l'ordre d'écrire. Ça y est, on explique. Deux personnes qui se connaissent, vous voulez me prêter, j'ai besoin de 2000 shekels, urgemment. On se fait confiance, on se connaît, on ne fait pas d'entour de pente comme nous, surtout que j'ai une grande reconnaissance si vous prêtez de l'argent. Donc du coup, j'ai le droit de... Alors je pourrais emprunter de l'argent, puisque entre nous, je pourrais venir écrire le contrat de reconnaissance de dette, le shtar, après Khol HaMoed, après la fête, alors je n'aurai pas le droit d'écrire. Sauf si toutefois, et non, mais vous ne me connaissez pas assez, allez savoir dans les comptables d'argent comment je me comporte, parce que je ne suis pas honnête. Donc du coup, à cause de ça, vous n'allez pas me prêter de l'argent, et l'argent, j'en ai besoin urgemment. Alors là, on aura le droit d'écrire pendant la mode. Encore une solution, on se fait confiance, on peut reporter ça à la mode. Mais seulement le pauvre, le scribe, celui qui écrit les contrats, il faut l'écrire avec des belles lettres, tout ça, et comme un parchemin, en parchemin, et c'était l'usage. Donc du coup, le scribe, lui, maintenant, lui, ça l'arrangerait qu'on écrive le shtar tout de suite. Comme ça, il va pouvoir gagner 100 shekels et acheter un peu plus de viande pour la mode. Alors là, ouais, c'est ça, le scribe Oshenlo qui n'a pas d'argent. Enlo Mayochal, il n'a pas d'argent pour manger, on parle du sofer. Et bien dans ce cas-là, on aura le droit d'écrire. Autre sujet maintenant, Enkotvim Sfarim Tfilin Mezuzot. Quelqu'un qui a un sofer et qui a l'habitude d'écrire son travail, c'est d'écrire des Sefer Torah, des Tfilin, des Mezuzot. Eh bien, il n'aura pas le droit d'écrire pendant Khala Moed. Il n'a pas le droit d'écrire pendant Khala Moed parce que c'est plus pour le besoin de la fête. Comme ce qui le dit, qui le disait. C'est ça, ouais, c'est rapporté dans le Tosot Yom Tov, entre parenthèses. Vous savez que c'est fréquent, plus en Israël, pas en Israël, mais en France. Il y a encore beaucoup d'Ashkenaz, des Yekes, qui mettent les Tfilin pendant Khola Moed. Ouais, c'est une des preuves qui est entre parenthèses, qui est de là, à partir du Sefer, du Smag, qui rapporte un Yerushalmi qui nous dit, si deux fois s'écrire des tefillines parce qu'on en a besoin pendant Khala Moed, et on aura le droit d'écrire pendant Khala Moed. Donc, on avait le droit de mettre des tefillines pendant Khala Moed, ils avaient un usage comme ça. C'est une marque loquette, on a l'usage de ne plus mettre les tefillines. Tous les soirs du même compte, c'est la Retz, même les Ashkenaz de Retz Israël, ils ont arrêté de mettre, ils ne mettent plus les tefillines. Et tous, je crois quasiment, je crois que même les Beth Knesset de Yeke en Israël, ils ne les mettent plus. Mais en tout cas, on n'a pas le droit d'écrire donc à cause. C'est le sujet, quoi. On n'a pas le droit d'écrire des Sefer Torah, ni des Tfilin, ni des Mezuzot, pendant Khola Moed. D'accord? Parce qu'on ne sait pas de choses qu'on a besoin pendant Khola Moed. Selon ce principe, qu'est-ce qui se passe si quelqu'un a besoin d'une Mezuzah chez lui à la maison, il n'y a pas de Mezuzah? Apparemment, il aura le droit d'écrire, j'imagine. Selon le même principe. Et puis ensuite, Ven Magin Otachat, même mieux que ça. Il y avait un Sefer Torah qui avait une lettre mal écrite, un problème qui invalide le Sefer Torah. Et on n'aura pas le droit de le corriger pendant Khola Moed. Va filo besefer Ezra ou Azara. Ça revient au même, même si c'est le livre, le Sefer Torah de Ezra à Sofer, ou bien le livre de la Azara, et c'est le même Sefer Torah en fait, que le livre qu'au Beth Amikdash on lisait de la Torah en public. S'il y a une faute là-bas, on ne pourra pas le corriger. Il faut en sortir un autre Sefer Torah. Qu'est-ce qui se passe si on n'a pas d'autre Sefer Torah et qu'il faut forcément le corriger pour lire en public? C'est plus écrit. C'est pas écrit, j'imagine que ça devrait être permis. Parce que ça s'appellera de Baravet, j'imagine. D'accord? C'est pas précisé. Je déduis, selon l'histoire qu'on a avec les Tfilin,
que si on a besoin pour le Cholamoued qu'on aura le droit d'écrire, selon le Shalmi, le Smag, selon mon principe, j'imagine qu'on aura le droit de projeter Sefer Torah, si on a besoin de Sefer Torah pour lire pour le Cholamoued. Rabbi Yehuda Omer, Kotev Adam Tfilin Mezuzot Latzmo, Vetove Al Yerechu Trelet Letzitzit. Rabbi Yehuda nous dit, sache qu'un homme a le droit d'écrire des Tfilin et des Mezuzot si c'est pour lui-même, même si c'est pas pour les utiliser pendant Cholamoued, mais étant donné que j'ai une mitzvah d'avoir des Tfilin, et j'ai une mitzvah d'avoir des Mezuzot, j'ai le droit d'écrire pendant Cholamoued, même pour les mettre pour après la fête. Ça c'est un. Et deuxièmement, Vetove Al Yerechu Trelet Letzitzit. Il a le droit aussi de tisser avec ses jambes le trellet, le fil bleu, la bleu azur, pour son tzitzit. Soit tisser un fil, c'est aussi tové, c'est aussi une melacha qui est interdite. Et si tu ne la fais pas, pendant, si tu n'en as pas besoin pour la moelle, tu n'auras pas besoin de le faire, tu n'auras pas le droit de le faire pendant la moelle. Maintenant, il y a une mitzvah de faire des tzitziot. Alors malgré tout, tu ne feras pas les tzitziot pendant la moelle, étant donné que ça implique des travaux que tu n'es pas. Ça c'est la vie de Nakama, ça implique des travaux que tu n'en as pas besoin pour la moelle. La Biouda vient et te dit, tu sais quoi, si tu le fais avec chinouille pour tisser, au lieu de le faire de manière, je ne sais pas comment on faisait avec les doigts, c'est-à-dire, il y avait des techniques, vous savez, quand c'est des fils qui sont torsadés, on tisse pour tisser les fils, il faut torsader des fils, et puis après, un, il s'enchaîne avec l'autre, donc il faut tourner les fils pour ensuite les faire tourner, on les fait tourner sur eux-mêmes, comme ça, ça tient fortement. Eh bien, alors tu ne le feras pas de manière habituelle avec tes mains, mais tu pourras le faire avec... Je ne sais pas comment est-ce qu'il fait avec ses pieds, il a une technique pour faire rouler le fil, comme ça le fil il va réussir à se rouler, puis après et à se torsader. Ça c'est la vie de Rabbi Yehuda. Pour la halakha, il nous rapporte le Barthénois que tu peux même le faire comme tu veux, tant que c'est pour ta propre utilisation. Tu le fais pour toi-même avec, vous avez l'usage, il mettait au bout du long fil, il lui mettait une pierre par exemple qui faisait tourner comme ça, enfin il la faisait tourner sur elle-même, et ça allait plus vite. Et ça, tu as le droit même le faire aussi, comme il est d'usage tout à fait normalement, si c'est pour ta propre utilisation, apparemment, même si c'est pas pour Cholamoued, j'imagine. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui, c'est une journée pleine d'Hatzlacha Kol Tov, c'est là.